Un ciel de cette couleur ne peut annoncer que de belles choses. Ce voyage en 2023 était pour moi un retour au Japon avec l'envie de redécouvrir la beauté des sakuras. Je ne fus pas déçu. L'histoire commence par le temple Togoji situé à Tokyo. Très prisé par les Tokyoïtes et un peu moins par les touristes, c'est le lieu parfait pour admirer de magnifiques cerisiers pleureurs. Pour y aller, il faut prendre la ligne Keio Line et on sort de l'hypercentre de Tokyo. Sans doute que cela effraie le touriste, mais moi, cela m'arrange. Ce lieu a déjà été utilisé par le cinéma japonais, notamment par le réalisateur Kurosawa. On comprend aisément, vu la beauté de l'endroit. Il y avait du monde, les photographes s'étaient donné le mot que c'était le jour idéal. Mais heureusement, beaucoup de respect, même si à un moment donné, une tiktokeuse a pris son temps et nombreux étaient les photographes qui attendaient pour prendre des photos. À leur pic de floraison, le spectacle donné ravit l'œil et on a même le droit à avoir quelques pluies de pétales. Le bonus de cet endroit, c'est aussi les nombreux petits oiseaux verts, non pas des martiens, mais des mégiros, qui étaient très présents. Ces oiseaux ne se laissent pas facilement prendre en photo, alors qu'on y arrive, c'est d'autant plus agréable. Bref, moi qui recherchais un beau spot à Tokyo, j'ai été servi. Le but de mon voyage était surtout de voir les cerisiers à Kyoto, et notamment ces longs tunnels constitués par les arbres. Celui de Sewarite est juste étonnant. Sur plus de 1,4 km, j'ai littéralement été plongé dans un univers de sakura. Il y aurait plus de 250 arbres tout le long du chemin. L'organisation japonaise est efficace car il n'y a qu'un seul sens, pratique pour ne pas se cogner contre les gens. J'ai pris mon temps pour faire de nombreuses photos et surtout m'imprégner du lieu.
Je ne m'attendais pas à cela, surtout que je suis arrivé par une autre gare un peu plus éloignée de celle la plus proche du site. Je pensais à un très beau parc, mais il y avait aussi toute une partie Matsuri, et nombreux étaient les gens, surtout des Japonais, à venir profiter des cerisiers et prendre un moment de détente. Là, je suis au parc Sewarite, c'est un tunnel au cerisier. Une petite bière pour récompense, mais c'est vraiment splendide, c'est extraordinaire comme lieu. Quand je suis dans le stand des, c'est un Matsuri, donc je suis dans le stand de bouffe. Honnêtement, on en prend plein les yeux. Alors, il y a un sens de la marche. Donc, on fait l'aller, après, on fait le retour en passant par les côtés. C'est magnifique. Je sais pas, il y a combien de cerisiers. Bon, en plus, là, c'est le full blooming, donc. Voilà, on en prend plein les yeux et c'est extraordinaire. Une très belle découverte et en bonus, un tunnel de Sakura avec un Shinkansen. Presque aussi bien que celle avec le mont Fuji. Je continue mon aventure en allant admirer le très beau tunnel de cerisier de Fushimi Jikokubune. Fushimi, pour de nombreuses personnes, c'est synonyme du grand sanctuaire avec les allées de Tori. Eh bien, c'est aussi dans ce même quartier qu'on peut trouver un canal entouré de cerisiers. Un endroit très bucolique où de petits bateaux, appelés Jikokubune, vous permettent de faire une croisière le long des cerisiers. Ces bateaux sont typiques de l'époque Edo et possèdent un fond plat. On peut retrouver ce genre de croisière dans différentes villes au Japon, par exemple à Matsue pour y admirer le château. Je n'ai pas fait la croisière car il y avait quand même beaucoup de monde qui attendait pour embarquer dans ces petits bateaux et j'ai préféré marcher le long du canal, prendre des photos, prendre des vidéos, prendre mon temps finalement. En tout cas, le but de tout photographe venant ici est de réaliser la photo des cerisiers avec un bateau. J'ai beaucoup apprécié ce lieu, pourtant situé en pleine ville. C'est une très belle promenade à faire et je reste toujours admiratif par rapport au travail que les Japonais réalisent pour mettre en valeur leur sakura. Thank you.
ces pétales qui tombent, cela fait quand même de bien belles images. Après avoir arpenté les tunnels de cerisier, je retrouve un des sanctuaires les plus connus pour fêter l'Hanami, le Hirano Jinja. Il est réputé pour posséder un très beau jardin de sakura. Alors attention, l'Hanami est maintenant une fête commerciale et le jardin est payant. Mais que ne ferais-je pas pour admirer ces sakuras? Et là, je suis tombé sur la période où les sakuras perdent leurs pétales, créant de fines pluies presque magiques. D'ailleurs, cela s'appelle Sakura Fubuki. Quand le vent se décide et suivant son ampleur, cela peut créer de magnifiques chutes de pétales qui virevoltent. La fleur de cerisier est éphémère, sa chute l'est encore plus, mais cela est magnifique. Je finis mon aventure avec un château. Il est très fréquent que de très beaux parcs sakura soient présents dans les châteaux japonais. Ce petit château, pas très loin d'Osaka, possède une douve entourée de sakura, et l'intérieur possède un jardin sec, très rare pour un château. Il est entouré par de très beaux sakura. Bref, ce château regroupe beaucoup d'éléments qui me passionnent pour mon plus grand plaisir. Malgré un temps maussade, les sakuras étaient magnifiques, avec un arrière-plan de donjon. La retrouvaille des sakuras est toujours un moment magique. Fleur éphémère comme sa beauté, elle sait faire naître en nous un sentiment de gratitude par rapport à ce que nous donne la nature. Ce voyage, au-delà des sakuras, m'a permis aussi de retrouver un Japon qui a toujours autant de choses à partager et à nous faire découvrir. Matane Japon.